Anne-Marie, alias Cœur de Beurre. Et je travaille, ou Anne-Marie H, on me connaît mieux maintenant sous ce nom-là. Je travaille en collaboration avec Anker Smith, autrement dit Silhouette Officielle France, pour une série de vidéos sur lesquelles on va refaire des tests parce que j'ai eu des petits soucis avec ma Cameo 4. Ça fait longtemps, longtemps que je fais déjà des vidéos sur Silhouette. Et j'ai eu des soucis avec ma Cameo 4 qui vient d'être remplacée. Je viens de recevoir une Silhouette 4 de remplacement et j'ai promis à tout le monde que j'allais refaire les tests, le béaba de tous les tests. Donc ceux et celles qui débutent avec la Cameo 4, eh bien bienvenue, vous tombez au bon endroit pile poil. Ce que je vais faire, c'est que à chaque vidéo, je vais tester une matière, je vais vous montrer ce que ça donne et on fera une toute petite réalisation. En tout cas, je vous montrerai une réalisation que j'ai faite grâce au découpe, enfin au réglage de la vidéo. Pour commencer, je commence tout simplement avec les papiers Vasen. Donc c'est Florence du fournisseur Vasen. C'est un fournisseur qui se trouve aux Pays-Bas et qui fournit quand même pas mal de magasins de loisirs créatifs, que ce soit en ligne ou en vrai vivant, comme je dis. Ce sont des papiers que j'adore parce que jusqu'ici, pour moi, c'était les cartes stock de couleurs. C'est du papier relativement épais, c'est 210 grammes. C'est les papiers que je préférais découper avec la Silhouette parce qu'ils sont pas trop fibreux, ils se découpent vraiment bien. Bref, j'ai toujours été très contente de ces papiers-là. Ça fait ouf! Ouh là 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 là, tellement d'années que je les utilise. Et donc voilà, c'est un papier dans lequel j'ai entière confiance. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un test de découpe. Non seulement le test que je fais toujours, si ça vous intéresse d'approfondir le sujet, je donne des cours en ligne. Vous pouvez trouver le lien sous la vidéo. Et dans la première leçon, notamment, on fait des petits tests de découpe que l'on entrepose dans un classeur et qui nous permettent alors du coup quand on a besoin de faire des découpes d'aller si on n'a pas encore testé ce papier, on a des papiers assimilés qu'on peut sentir et se dire tiens, je ferais peut-être bien les mêmes réglages que là. Bref, c'est une bible ce carnet. Et donc ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai déjà testé. Je suis très contente, je vous le dis tout de suite. Non seulement j'ai testé ce petit bazar, mais aussi la grosse difficulté qui se posait souvent aux gens qui débutaient avec la Cameo 4, c'est que parfois ça découpait très bien à gauche et puis pas du tout bien à droite. C'était inégal. Donc j'ai fait deux choses. J'ai fait le petit test dans un coin et puis j'ai fait une découpe qui prend toute la page 30-30. Et pour voir si la découpe était identique de partout. Je vous dis tout de suite parce que je ne le montre pas dans la vidéo, j'ai pris un niveau d'eau. Alors on peut trouver, on a des petites applis sur les téléphones portables qui fonctionnent. il y a moyen d'avoir ça gratuitement. Sinon, vous prenez un niveau de chantier et vous vérifiez que votre machine est bien droite. Ça compte beaucoup, que vous êtes sur une surface stable. Ça compte beaucoup et aussi que votre papier ne tombe pas en dehors de votre table ou de votre armoire au moment où s'enclenche le mouvement de découpe. L'idéal, c'est qu'il soit bien à plat et qu'il y ait de la place derrière pour qu'il n'aille pas cogner contre un mur ou une armoire qui se trouverait derrière votre machine. Voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, moi je trouve ça trop mignon. Ce sont des petites cartes. Regardez, des petites cartes pour souhaiter la bienvenue d'un bébé. Ça, c'est la version fille. Et alors, il y a une version garçon. Ici, voilà. Donc, c'est un fichier qui vient du store Silhouette que je retravaille parce que j'aimais pas trop. C'était un vieux fichier, donc j'avais envie de le mettre au goût du jour. Et donc, on va faire ça aujourd'hui. Et donc, bienvenue, on y va, on démarre. On commence vraiment par le béaba. Donc, ceux et celles qui connaissent déjà, voilà, ce sera une redite. Peut-être un petit vaccin de rappel, on ne sait jamais. Hein. Et pour les autres, bien, bienvenue, bienvenue, on commence. Regardez un peu qui est là. Oui, c'est ma Cameo 4. Elle a été, enfin, c'est une Cameo 4 qui a été reconditionnée et que je suis allée chercher hier. On va commencer les premiers tests avec la lame ajustable manuellement, qui est la lame 1 mm. Et c'est parti, mon kiki. Je pense que vous le savez déjà, mais veillez bien à enlever tous les papiers collants bleus ainsi que toutes
les barres comme ceci, qui sont des protections pour le transport. Donc, veillez-y bien. Autre chose, hein, c'est un petit détail, mais ça a son importance. Oh là, excusez-moi, hein, je n'ai pas l'habitude de filmer avec mon téléphone. Qui a sa grande importance, c'est ceci. Ceci soulève la barre, regardez. Ceci la rabaisse. Donc, vous ne devez pas chipoter à ça, sauf si vous voulez régler vos barrettes ici, mais ça, on en parlera ultérieurement. Donc, ceci doit toujours être remonté, voilà, afin que les roulettes entraînent bien votre tapis. Ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. Maintenant, pour ce qui est de mettre la lame, faites bien attention. Vous devez, alors, je le fais à une main, donc je vais essayer de faire ça bien. Vous devez bien tirer ceci. Insérez votre lame. Voilà. Veillez ici, je vais me mettre tout près. Veillez ici à ce que ce petit crochet vienne bien au-dessus de ce rebord qui est là. Il faut vraiment bien l'enclencher et ça doit faire clic. Et vous voyez que c'est bien enclenché parce que le petit point qui était sans couleur passe au vert bleu, on va dire. Voilà. Ok, donc là vous savez que c'est bien mis et on voit bien que les deux petites griffes qui sont ici accrochent bien, accrochent bien les rebords de la lame. C'est la première mise en garde pour aujourd'hui. J'ai préparé mon petit classeur, celui que l'on fait ensemble dans les cours Silhouette de Luxe. Je l'ai préparé et je vais refaire les tests. J'ai préparé une feuille vierge que voici, que voilà, et je vais refaire les tests avec cette flambant neuve Caméo 4. Donc, on a pris le petit fichier test que vous savez que j'aime bien et je le répète parce que je sais qu'il y a des gens qui arrivent là, bienvenue d'ailleurs. Pourquoi j'aime bien ce fichier-là? Parce qu'on y trouve un peu de tout. On y trouve la forme bien droite rectangulaire. On y trouve le rond qui, à la découpe, doit être rond, bien rond. Et on y trouve l'étoile dont les pointes doivent être bien pointues. On a aussi le petit pointillé qui nous donnera un aperçu de ce qu'elle fait quand elle fait des pointillés. Alors, c'est parti mon kiki. Je vais sur envoyer. Je vais choisir. Donc, je vais toujours sur ligne. Vous le savez maintenant, je pense que Silhouette un jour le fera peut-être de se mettre directement sur ligne au lieu de sur simple, parce que pour plein de raisons, je vous invite à vous habituer à aller sur ligne, vous comprendrez. Donc je vais prendre Florence, je t'aime. Oui, parce que voilà, parce que voilà. C'est les réglages que j'utilisais, donc c'est une découpe et la lame, attention, c'est une lame Silhouette, voilà. Je suis, et je le précise parce que c'est important, je suis sur l'ancienne version du logiciel. Je vais vous montrer laquelle. Voilà, c'est la 4.3.370. Ok, si vous voyez que vous n'avez pas exactement les mêmes icônes que les miennes, c'est parce que je suis sur la version business. D'ailleurs, pour que tout le monde soit tout à fait à l'aise, je vais me mettre sur la version standard. Voilà, comme ça, on a tous les mêmes icônes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc, envoyer, je retourne là. Voilà. Donc, je vais faire un test. Alors, attendez, parce que je pense qu'il y a au niveau de la... Où est-ce que j'ai mis mon papier? Il est en dessous de mon ordinateur. Attendez, voir. Ici, la lame, comme c'est neuf, je vais tenter de la mettre sur 24. Et on verra. Donc, on a la lame sur 4. On a la force de 24 et la vitesse de 5. Avant de lancer la découpe, je voulais vous donner une petite astuce pour le tapis. Quand le tapis arrive tout neuf, il est extrêmement collant, voire trop collant. Ce que je vous invite à faire, donc, vous ôtez la pellicule bleue. Oui, n'oubliez pas de l'ôter. Sinon, ça ne tiendra pas, hein, ça collera pas. Cette pellicule bleue, vous devez la remettre après vos découpes. Parce que s'il y a des poils, etc., de la poussière qui vient se mettre dedans, ça va finir par ne plus coller assez vite, assez vite. Donc, vous prenez vos belles mémines et vous les collez comme ça. Je vais le faire à plat, hein, mais vous voyez l'idée. Donc, je fais tout ça, je mets mon papier et je reviens vers vous. Voilà, je travaille d'abord sur un papier brouillon où j'ai noté les réglages que j'avais fait à Noël, donc la dernière fois
que je me suis servi de ma silhouette caméo 4. Donc voilà les réglages que j'avais faits et maintenant on va tester. Donc vous allez aligner votre tapis le long de la ligne grise ici. Maintenant c'est vraiment bien fait. On ne peut pas vraiment se tromper. Et donc vous mettez votre tapis. Voilà, et je le fais à une main, donc c'est pas évident. Voilà. Et vous allez pousser ici sur la petite icône d'engagement. Voilà, jusqu'à ce que le tapis soit engagé comme il se doit. Bon, ben c'est parti. On envoie. Allez, verdict! Encore une petite chose que je voulais vous montrer. Ce qu'on vous conseille, c'est de décoller le tapis du papier plutôt que de faire l'inverse. Et ça a l'air bien parti. Alors, je suis assez contente du résultat. Voici ce que j'ai fait. J'ai imprimé mon motif sur un papier normal, hein, avec une encre noire, excusez-moi. Et j'ai déposé ici mon motif sur le motif imprimé. Pour voir ce que ça dit. J'espère que je ne vous donne pas trop le mal de mer. Voilà. Eh bien, on peut dire qu'on est content. Un tout petit bémol, mais ça, je me demande si ce n'est pas moi qui débloque. Hein. J'ai l'impression que le rond n'est pas tout à fait rond-rond. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà. On va maintenant faire un autre test. J'ai pris un papier Florence, mais cette fois-ci de couleur, parce que j'ai l'impression que les papiers Florence blancs, et on dit bien ce sont les smooths, hein, ce sont ceux qui sont doux, sans relief, j'ai l'impression qu'ils sont un poil plus épais que les papiers blancs quand ils sont en couleur. Donc on va essayer, on va essayer. Et voilà, c'est nickel de chez nickel. Rien à redire, ça découpe comme dans du beurre. Je suis trop contente! Voici le fichier que j'avais choisi dans le store Silhouette. C'est un fichier que j'ai depuis longtemps. Vous avez la référence ici. Voilà, vous avez le titre. Et c'est par Laurie Whitlock. Vous savez que c'est une créatrice que j'aime assez. Mais quand vous regardez bien, voilà, cette banderole-là, c'est un peu démodé. Voilà, j'ai juste transformé le fichier. Donc, on ne va pas prendre du temps maintenant à revoir ça parce que ça fait l'objet de mes leçons évidemment. L'objectif aujourd'hui c'est de vous montrer qu'on arrive à découper. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai transformé le fichier, j'ai agrandi la girafe, j'ai ôté la bannière et j'ai tapé du texte moi-même avec une écriture que j'aimais bien. Et vous allez voir dans la vidéo que j'ai tracé avec un stylo doré, un stylo Pentel Broad Pen, ce que j'adore. J'ai tracé d'abord avec le stylo et puis j'ai découpé. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de vous montrer comment tout a été fait, mais par contre, vous allez voir que, alors que tout est réparti sur une grande feuille comme ça, tout a été découpé de manière égale. Et ça, franchement, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. On veut que ça découpe partout pareil et surtout que ça le fasse plusieurs fois de suite parce que je l'ai fait plusieurs fois de suite. Au départ, j'avais une autre police d'écriture et puis j'ai changé. Pour les garçons, entre guillemets, ne me demandez pas pourquoi ce truc sexiste revient encore. Mais bon, pour les garçons, c'est une écriture un peu plus droite. Et pour les filles, j'ai pris cette écriture un peu plus courbée, un peu plus voluptueuse. Donc voilà. Ce que j'ai fait donc, et ça, on verra plus tard, quand le temps passera, quand on avancera, que. On peut donc tracer d'abord nos écritures au stylo et puis ensuite découper les motifs qui nous intéressent pour construire nos cartes, nos invitations, nos que sais-je. Voilà, je vous montre un peu à quoi ressemblait la feuille dont j'ai envoyé les commandes vers Silhouette. Donc quand j'ai fait envoyer, voilà, j'avais ici un réglage Florence, toujours, c'est un réglage que j'ai fait moi-même, je vous le répète, on en parlera plus tard. Et une fois que c'est et pour les pardon, excusez-moi, j'ai commencé par l'écriture hein, de toute façon, ça aussi on en reparlera. Là, le réglage c'est carte stock ordinaire, croquis et
Il y a un stylo qui d'office se met ici et qui vous montre ce qu'il faut faire. Voilà les réglages que j'ai utilisés. Et donc maintenant, je vous montre un petit bout de vidéo avec la silhouette qui travaille et qui fait très bien son job. Très, très bien même. Eh bien voilà les amis, les cartes sont assemblées. C'est pas très très chinois, hein. J'ai coupé les papiers au massicot puisque j'avais les dimensions. Je les ai coupés à angle droit. Vous voyez bien. Attendez, j'essaie de vous montrer. Vous voyez, je les ai découpés au massicot parce que ce sont des dimensions faciles à découper. En fait, on a un papier unique qui fait la carte. Vous avez les dimensions dans le fichier quand vous l'achetez et vous avez un papier de couleur à motif que vous collez sur la carte. Et puis vous utilisez de la mousse 3D. On le voit bien ici, les scrappeuses connaissent bien. C'est un rouleau de mousse 3D double face qui vous permet de mettre en relief votre découpe silhouette et votre écriture silhouette. Et franchement, je suis trop fan de ces petites cartes. Dites-moi ce que vous en pensez, j'adore, je suis trop fan. Dites-moi ce que vous aimez, est-ce que vous aimez le papier fraise, le papier fleur, le papier petit nuage? Alors, le papier petit nuage, c'est un papier digital de chez Creed Paper qui s'appelle Little You. Ici, c'est un papier de ma collection Chabi. Et ici, c'est un tout vieux papier de chez Kezi Art avec des fraises et des cerises que je rechignais à utiliser, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut l'utiliser, sinon il va, je sais pas, perdre son essence, je ne sais pas. Les écritures, je les trouve sympas aussi. Franchement, je suis trop fan. Dites-moi ce que vous en pensez. Et écoutez, moi, je suis ravie de me rabibocher là. Je vous fais la conclusion tout de suite. Ma conclusion, eh bien, je suis très contente, je suis ravie de ce que ça a donné, vraiment, pas de problème de découpe, pas de problème de décalage, enfin, c'est pas un print and cut, mais quand même, tout s'est bien déplacé, découpé à l'endroit où ça devait être découpé, hein? Et au final, oui, une petite chose aussi que je trouve importante, je ne l'ai pas dit auparavant, c'est que quand la machine ne va pas bien et que vous faites des découpes festonnées comme celle-ci, ce qui se passe, et ça se voit tout de suite qu'il y a un problème avec la machine, c'est que les festons sont inégaux. Vous avez des plus petits, des plus longs, ils sont un petit peu, oh, pas vraiment bien tracés. Ici, tous les festons sont vraiment bien égaux. C'est pas un problème, aucune girafe n'est déformée. Et au niveau des écritures, puisque j'ai profité de faire cette carte pour utiliser la fonction croquis. Donc, quand j'avais eu des problèmes avec ma Cameo 4, les écritures étaient complètement déformées, ça ne ressemblait pas à ce à quoi ça devait ressembler. Et ici, que ce soit celle-là ou celle-là, voilà, les écritures sont vraiment nickel, c'est fait avec un stylo doré, les écritures sont vraiment nickel. Donc, pour l'instant, la fonction croquis et la découpe de papier Vasen Florence, c'est OK! Ah oui, une petite chose que je n'ai pas dite, mais je l'écris en dessous de la vidéo. Je suis revenue à une ancienne version de Silhouette Studio. C'est la version 4.3.370, 370 si vous voulez, parce que, eh bien, parce que c'est la plus stable qui soit. Et pour le moment, je ne prends pas trop de risques, je prends la version la plus stable qui est. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Si vous avez des questions, s'il y a des matériaux que vous voulez me voir tester, n'hésitez pas, mettez-le dans la barre d'infos. Et puis à très vite, hein, pour de nouveaux essais.